Elisabeth Germain, artiste peintre des cuisines, des fourneaux, comme ça je peux vous définir? Chef et brigade aussi. Mm-hmm. Des éclats de vie lyonnaise. Bon, et puis tout naturellement, je me suis tournée aussi, j'ai poussé la porte des bistrots pour rentrer dans les cuisines en me disant, mais il s'y passe quelque chose, il y a des gens sympathiques qui œuvrent et qui sont des artistes aussi. C'est un univers fascinant. Ah oui, ah oui, il se passe des choses extraordinaires. Ce sont des artistes, mais il y règne aussi une discipline militaire. C'est fou. Pendant le service, pendant le coup de feu, plus personne ne parle. Il y a des ordres qui sont donnés et on n'arrive plus à saisir les regards. Absolument plus. Il vous échappe complètement. Et quand tout est fini, ça y est, on sent que... Ça y est, ils redeviennent des hommes, ils réatterrissent.